Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce troisième épisode de N Terraria Construction. Je dois vraiment arriver avec un meilleur nom pour ça, mais c'est pas grave. On garde ça pour l'instant. Et on se retrouve pour une autre maison double, une maison pour deux PNJ cette fois-ci. Vous voyez, on est au petit lac, donc là je suis juste à côté de ma ville. Hein. On est sur le petit lac et j'ai arrangé un petit peu le terrain, donc j'ai fait des petits quais, donc deux quais. De chaque côté, vous voyez, on a juste à sauter comme ça pour passer, donc c'est pas très dérangeant qu'il y ait rien pour marcher. Mais ces deux petits quais que j'avais fait en vidéo, mais voilà, ça avait planté et donc j'avais perdu toute la vidéo, ce qui est un peu triste. Mais c'est pas très grave, hein, parce que c'est pas les quais qui étaient importants, c'est la maison qu'il va avoir juste ici, ce qui va être la maison du tailleur. Ici, monsieur le tailleur qui est à la retraite, voilà, il a passé sa vie... à subir une malédiction qu'il n'avait pas demandé, donc maintenant il se repose, le pauvre, près de l'eau, et voilà, il pêche avec son petit-fils, le pêcheur. Donc j'ai aucune idée s'il y a un lien de parenté vraiment, s'il y a même une histoire chez les PNJ, mais j'ai décidé que ça fitait bien, ça allait bien ensemble, hein. Donc voilà, le pêcheur qui va habiter aussi près de l'eau, ça va être une maison pour ces deux-là. Donc là j'ai mis des torches ici, les torches je vais les enlever pour l'instant, parce que c'est un peu moche, ça sert pas à rien. Et on va commencer la maison, j'ai pas beaucoup de bois. Donc je vais commencer par les récolter du bois. Juste ici, voilà. Hop, on prend un petit peu de bois. Vous avez vu aussi sur la map, j'ai fait... Ben j'ai continué la route, tout simplement la route de la ville. J'ai... je l'ai faite sur toute la zone. Oh mon dieu, ce marteau il fait tellement mal. Pourquoi je fais autant de dégâts avec ce marteau? Il fait que 293. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas très grave. Écoutez, je fais masse de dégâts avec le marteau. Je comprends pas. Mais on ne va pas s'en plaindre. Oui, très bien, le spectre. Bon, je me fais un peu envahir par les mobs. C'est la folie furieuse. On va commencer la maison, tout simplement. Et ça va être une maison relativement simple. Vous allez voir. Sauf que je vais faire un deuxième étage ici. Et on va pouvoir pêcher des deux étages. Donc, on va pouvoir venir ici et pêcher. Très, très très bien. Et on va pouvoir pêcher du deuxième étage aussi, ce qui va être assez cool. Hop. On va commencer comme ça. Donc là, je mets hop ici la petite maison avec la porte. Je la fais avancer de 1. Donc je vais tout de suite faire la porte. Je vais mettre mon petit établi ici. On va tout de suite faire la porte. Hop, voilà. Et on va l'avancer de 1. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait beau, tout simplement. Hop, et ça va être une maison que je vais mettre avec des gros... Je vais essayer un nouveau style de maison qui va être avec des planchers de 2 de large. Pas partout de 2 de large, mais voilà, pour faire un petit peu de volume à la maison, pour acheter un petit peu de soutien. Voilà, on va faire ça comme ça. Ici, la cour arrière, je pense que ce que je vais faire pour la cour arrière, je vais reprendre l'idée que j'avais dans... pour ceux qui se rappellent de CVT, pour ceux qui avaient écouté CVT, construction d'une ville sur Terraria. Oh, c'est pas ça que je voulais, j'ai failli mourir ici. Attendez, je vais juste... Voilà, normalement c'est bon, le monde ne pourra pas passer. Pour ceux qui se rappellent, ma première maison, la maison du maître, j'avais fait une entrée. Est-ce que j'avais fait? Je me souviens plus, c'était la maison du maître. Dans tous les cas, c'était une entrée de cave. Donc avec, par exemple, juste ici, hop. Bon là, il y a de l'eau parce que... j'avais de l'eau tout simplement et ça va être peut-être un peu dérangeant parce que l'eau est assez profonde, mon dieu. Bon, ça sera pas très grave. J'avais une entrée de cave comme ça. Hop, 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 vous voyez. Et du coup, il va me falloir de la pierre. Je vais aller me chercher de la pierre. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ça va rentrer par la cave, tout simplement. Où il y aurait, admettons, les congélateurs où on entrepose le poisson. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre des coffres avec du poisson dedans. Des coffres de glace, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai rien pour faire les coffres de glace. Donc, ça sera pas tout de suite. Mais éventuellement, on fera ça. Et là, ce que je veux, c'est de la stone. Est-ce que j'en ai? C'est sûr que j'ai de la stone. Je peux pas ne pas avoir de stone. Voilà. Merci. On a de la stone. On va amener tout ça là-bas. Et on va commencer cette maison. Donc déjà, ça, je vais l'enlever en bas parce que c'est pas important. On n'est pas dans N Terraria. On est dans N Terraria Construction. On construit des maisons. Voilà. Aménagement d'une ville pour PNJ. Et on prend de la stone. Donc là, premièrement, on va commencer... Je vais le faire, je pense, avec des marches longues. Donc, on va commencer par en bas, déjà. Et ne nous en faites pas pour l'eau, hein, je vais la vider éventuellement. Comme ça. Ici.
Donc ce qu'on va faire, ça va être des marches comme ça, des marches en stone. Est-ce que je fais des marches en stone? Ouais. Ouais, des marches en stone, ça va être le plus beau. Que des marches en... ben ça va pas être plus beau, mais ça va être plus naturel, tout simplement. Et ça va être un très long escalier, apparemment, c'est ce que je suis en train de faire. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Non. Et ici, on met du bois. Voilà, pour continuer la route. Des blocs de terre, merci. Et on fait hop et hop. Et là, on voit pas trop ce que ça donne à cause de l'eau. Mais l'eau, je vais essayer de la vider par ici. On va la drainer comme ça, tout simplement. Technique, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, parfait, il y avait encore de l'eau. Hop, et on va remplir ce trou-là. Et normalement, toute l'eau devrait rester là, donc ça devrait disparaître. Très très bien tout ça. Toi, tu dégages, merci. Mon dieu, ce marteau, il fait tellement mal, je comprends pas. Je ne comprends pas d'où vient le dégât du marteau. Est-ce que j'ai fait une erreur ici? Oui, j'ai fait une erreur ici. Très bien. On a fait un truc de trop, donc ça faisait un escalier qui n'était pas droit. Voilà. Et comme ça, c'est mieux. Parfait. Donc, on a un escalier ici qui descend. Donc ça, ça descend bien. Ça, problème étant ça ici, il y a encore de l'eau. Voilà, toute l'eau dégage. Ici, ça va être la même chose. Donc, je vais essayer de tout vider l'eau. Je fais une petite ellipse, je vais tout vider l'eau. Peut-être plus un accéléré. Et après, on va se retrouver parce que là, de l'eau, il y en a à la masse. Et c'est relou. Donc voilà, petite ellipse accélérée. Non, plus une ellipse parce que voilà, c'est pas intéressant. A tout de suite. Rebonjour, voilà. J'ai fini de vider l'eau. Ça n'a pas été super long finalement, mais je préfère quand même ne pas mettre trop de temps de vidéo là-dessus parce que c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. J'en suis désolé. Hop. Donc, maintenant, on a un espèce de gros bassin d'eau tout en dessous qui est rempli de terre. Donc, si on a besoin d'eau, on va savoir où aller la chercher. Hop. Et ici, je vais faire un mur. Ce que je vais faire, ça va être, on va mettre une couche de terre entre le bois. Donc ici, je vais laisser un bloc de bois, couche de terre, et on va mettre une couche de pierre. Voilà, pour pas que la pierre soit directement sur le bois et que ça a l'air un petit peu plus solide. Donc comme ça, ça va être bien. Ici, si le bois il se touche, si la terre touche au bois, c'est pas trop grave non plus. Mais voilà, c'est quand même préférable de pas faire ça. Mais pas de pas faire ça, mais de que le bois ne touche pas à la pierre. Ici, je vais mettre un autre escalier qui descend. Ça va être un escalier avec des plateformes. Donc, voilà. Très bien. Hop, hop. Comme ça. Et on va pouvoir mettre ici d'autres plateformes, comme ça. Donc là, on descend, on arrive et on fait hop, on descend comme ça. Ça, ici, très bien. Non, c'est bon, ouais. C'est nickel, allez, parfait. Parfait. Et ici, je vais mettre la porte. Donc la porte, on va pas la faire excentrée finalement. On va la mettre vraiment au centre du mur. Je pense que ça va être mieux. Ça va sûrement être plus beau comme ça. Hop. Ici, on enlève toute la terre. Voilà. Et est-ce que j'ai besoin... Oui, ce bloc-là, il est important. Donc on a besoin de laisser ça comme ça. Super. Je pense que c'est bon comme ça. Ça va être notre petite cave où on va mettre ici les trucs. Je pourrais même mettre un hublot. Quasiment pour regarder dans l'eau, mais je... non, je pense pas que ça va être beau. Je pense que ça va être mieux comme ça. Ici, je vais peut-être mettre un petit peu plus de pierre ici pour que ça a l'air un look un petit peu plus naturel. Comme ça. Comme ça, voilà. Donc là, on dirait vraiment que c'est juste creusé dans la terre et je trouve ça très très bien. Comme ça, ça fait une petite cave naturelle. Est-ce que c'est beau? Je sais pas. Ce serait peut-être mieux de le faire. De donner un look plus... j'hésite en fait. Non, j'aime pas ça. Je vais mettre du bois à la place. On va faire des deux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez préféré la pierre ou si vous allez préférer le bois. Vous me le direz. Moi, je pense... Ouais, je pense que le bois, ça va être mieux vu que ça fait une maison un peu plus... Ouais, ça va être mieux comme ça. Voilà. On va garder ça comme ça. Avec le bois, à moins que vous me disiez que vous préférez la pierre, c'est pour vous. À vous de décider dans le commentaire pour le sous-sol. Ensuite, hop, bien entendu, je mets toujours mes petites poutres dans les coins.
de soutien parce que sinon ça fait trop carré, c'est moche. Et la poudre de soutien est assez importante, je trouve. Donc voilà, poudre de soutien ici. Ici. Ici, on va faire un autre escalier. Je pense qu'il va monter encore une fois dans la même direction. Oups. Comme ça, et hop. Donc ça va être un double escalier comme ça ici. Est-ce que ça le fait ou est-ce que je devrais pas le faire dans l'autre sens? Je pense que je vais le faire dans l'autre sens en fait. Hop, comme ça et comme ça. Je pense que ça va être mieux comme ça. Hop. Même si on peut pas le prendre. Attends. Hop, hop. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ouais, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, on peut monter, on part de la cave, on monte et on monte jusqu'en haut. C'est parfait. Et pour descendre, on descend. Simplement. Ça va être beaucoup mieux comme ça, je crois. Ouais, j'ai vraiment besoin de mettre ça, oui. Oui, parce qu'il faut pouvoir évoluer ici. Donc, ici. Non, ça, c'est les deux pièces principales. On va commencer à faire les chambres maintenant. Donc, ici. Déjà, je vais mettre un balcon parce que j'aime beaucoup faire des balcons. Hop, on fait un espèce de grosse poudre de soutien. Vu que là, c'est le seul soutien du balcon, je veux qu'il soit assez fort. Comme ça, ici. Hop. On va mettre des barrières là-dessus. Donc, on va aller venir ici, on va faire des fences. Voilà. Des fences comme ça, parce que je trouve ça beau, des fences. Très bien. On va mettre une porte éventuellement. Porte ici. Ici, on va... Ça va être la chambre. Comme ça ici. Non. Comme ça ici, voilà. Ça va être la pièce, la maison du tailleur. Donc, on va faire habiter le tailleur ici. C'est peut-être trop petit, par contre. Je sais pas si ça va marcher. On va essayer et on verra bien. Sinon, j'agrandirai. Ce sera pas trop grave. Mais je pense que ça va le faire. Je vais juste agrandir encore un coup. Est-ce que ça m'a fait mal? Ok, c'est le petit poisson qui m'a fait mal, très bien. Si ça lui plaît, hein. Écoutez. J'ai aucun problème. On refait une poutre. Avec le imp qui est un peu dérangeant. Le imp qui se met derrière moi tout le temps d'habitude, mais là il était comme pas dans le mur. Hop. Une autre poutre, on va mettre une porte ici. Toi, je veux une porte. J'en veux deux portes en fait. Va falloir aller récolter d'autres bois avant la fin de la maison, mais c'est pas très grave. Là, c'est une grosse maison qu'on est en train de faire. Hein. Une grosse maison. Mais c'est très très bien. Monsieur le tailleur est riche, on va dire. Hop, comme ça. Très bien, les portes ouvrent, les portes ouvrent. Nickel. On va faire un troisième escalier. J'ai enlevé l'établi, on va faire un troisième escalier qui part d'ici. Hop, et qui monte jusqu'ici. Et ici, ça va être le grenier, donc la chambre du petit garçon. La chambre du pêcheur. Comme ça. Et il va pouvoir monter. Je pense que son balcon, je vais lui faire monter en pente comme ça. Voilà. Et d'ici, on peut pêcher, hein. Donc là, j'ai pas de canne à pêche sur moi, mais on pourrait pêcher, donc ça va être très très bien. On va mettre maintenant la porte. Je vais la mettre ici. On peut passer? Non, on peut pas passer, ça bloque. Comment est-ce que je peux faire ça? J'essaie de visualiser dans ma tête. Mais je pense que je vais devoir faire un balcon normal, finalement. Ça va être très très bien aussi. Voilà, on peut quand même pêcher d'ici, c'est bien. Donc le pêcheur peut se faire plaisir du balcon. Il va pouvoir s'amuser à pêcher tous les poissons qu'il veut, même si généralement il compte sur nous pour les pêcher. Hein, parce que c'est un flemmard. Et on commence le toit, simplement. Très bien. Et on va faire le toit de l'autre côté ici. Donc ça va être une façade droite. Non, je pense pas que je vais la faire droite, je vais la faire plus comme ça. Par souci de esthétique. Et il nous manque du bois, évidemment. Allons chercher d'autres bois. Le toit, je garde un toit semblable à tous les autres. Hein. D'ailleurs, je vais pouvoir juste planter un peu des glands histoire que nos arbres poussent. Très bien.
toujours important de replanter la forêt. Replanter la forêt, c'est bien. L'environnement, c'est bon. Prenez-en soin. Hop, hop, hop. Voilà. Et un troisième arbre. Nickel. On replante tout. Et on retourne à notre maison. Donc on a en masse de bois normalement pour finir, je crois. Hein. Au moins finir la structure, peut-être pas les meubles. Mais on verra bien rendu là. La structure que j'aime beaucoup jusqu'à présent. Bon, c'est très simple, c'est juste du bois, mais c'est pas très grave. C'est comme ici. Comme ça, donc hop, hop. Et on fait le toit comme ça. Voilà. Peut-être que le toit est un peu gros pour la maison du petit garçon. Y aurait-il moyen de faire quelque chose de mieux? Je pense pas. Écoutez, ça va être bien comme ça. Il y a juste la maison du tailleur qui m'énerve un peu parce qu'il est très très petite. Je pense que... Bon écoutez, j'y repenserai. On verra si on la modifie cette maison ou pas. Pour l'instant, je vais la garder comme ça. On va commencer à faire le mur de fond. Donc là déjà, il me manque une porte. Il me manque une porte. Oups. Ça ici. Et on va faire... Je vais passer tout le bois que j'ai en mur de fond. Parce que même avec ça, je pense pas en avoir assez. Voilà, est-ce que je me rends en haut? Non, très bien. On va faire tout en haut d'un coup, nickel. Et non, j'en aurais pas assez, il va falloir que j'ai récolté encore du bois. Toujours plus de bois. Hop. Ah, quoique. Je vais peut-être être bon en fait. Oh non, ok, non. Définitivement pas. Définitivement pas. Voilà, on va chercher l'autre bois. Encore, il ne nous en manque pas beaucoup. Pour que la maison soit terminée et on va pouvoir commencer avec l'éclairage puis le meublage de la maison du tailleur et du pêcheur et on a bientôt fini d'empêcher. Est-ce que j'ai des arbres à proximité? Oui, là-bas il y en a ce bébé zombie. Je comprends vraiment pas pourquoi il fait autant de dégâts le marteau. 293, pourquoi? Censé faire juste 300 de dégâts maximum. Donc, écoutez, je n'en sais rien. Ah, arbre ici. Je vais récolter toutes les arbres qu'il y a là pour avoir la masse de bois. C'est des grands arbres en plus, ça c'est cool. Voilà. En manque juste un après, je vais mettre la torche à terre parce que il y avait une torche au l'arbre, donc autant garder la lumière où je l'avais mis, je trouve ça important. Et on revient là-bas et on va planter les glands plus là-bas. Je vais en mettre un petit peu ici, même j'en ai mis dans le désert et que c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ça me donnerait des palmiers, donc c'est pas très grave. Nous aurons un palmier. Écoutez, on retourne à la maison. Et le meublage, je sais pas trop ce que je veux faire. Je pense que je vais mettre un petit peu de vitre. Du verre, parce que du verre, je trouve ça beau. Généralement, donc je pense qu'on va mettre un peu. Hop, là, je spam clic pour pouvoir placer toutes les arbres que je veux. Voilà, nickel. Nickel, on est bon. Et on finit tout ça. Donc là, on voit que dalle. Je suis désolé. Avec 60, je pense être correct, mais on verra bien. D'où tu rentres chez nous, là? D'où vous rentrez chez nous? Quel le manque de respect de ces mobs. Très bien. Non, les mobs ne respectent rien. Voilà. Voilà. Je vais juste me débarrasser des derniers bois qui restaient. Et maintenant, on met les torches. Oups. Là, par contre, j'ai oublié un truc. C'est-à-dire mettre un mur de bois ici. On va mettre une torche ici. Voilà, on va l'accrocher comme ça, je pense même la mettre un peu plus proche.
mettre ça ici. Avec une torche ici, donc ça va être bien. Dans l'entrée, comme ça, quand la porte est ouverte, ça fait un truc droit, c'est beau. Je trouve ça bien. J'aime beaucoup. Dans le sous-sol, les torches, je pourrais... Est-ce que je peux en mettre une ici? Oh, j'aime ça! On la voit pas, la torche, mais ça fait de la lumière. J'aime bien. C'est un peu subtil, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Ouais, sinon, je pense que ce que je vais mettre... Bon, déjà, pour le quai, ça, je sais que je vais mettre des Tiki Torch. Hop, j'en fais 5 tout de suite. Parce que le quai, ça fait aussi partie de la maison. Oui, monsieur le tailleur, ça serait bien que tu meurs pas avant que j'aille finir ta maison. Hein. C'est pas trop mal. Donc, je pense que les Tiki Torch, ça rend bien. Éventuellement, je ferai des vrais lampadaires, mais pour l'instant, ça rend pas pire. Maintenant, ici... Je peux en mettre une là, c'est sûr. J'en mets une sur le bureau. Que je vais faire. Donc, il faut des chaises. Je vais faire deux bureaux déjà. Un bureau que je vais mettre ici. On va mettre une torche dessus. Ensuite, une chaise en bois. Est-ce que je peux la mettre ici, la chaise? Oui, ça marche. Allez, ça marche. Ça part en valide. Très, très bien. Ça. Par contre, je suis désolé, mais non. Oh. Les mobs, j'aimerais ça que vous me laissiez tranquille un peu. Là, c'est, j'ai pas envie de me battre contre vous, j'ai pas envie de vous tuer, donc profitez-en. Vous devriez profiter de la vie un peu, pendant que mon but dans la vie, c'est pas justement de mettre fin à votre existence. Je vais mettre des fans ici. Est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en ai encore. Hop, sauf ici. Et on va mettre une petite chaise. Donc, vous allez voir. Je mets une petite chaise juste ici pour que le pêcheur puisse s'asseoir et pêcher tranquillement. Voilà, petite chaise. Je pense que je vais enlever celle-là, du coup. Ouais, comme ça, ça va être bien. Je vais mettre une torche à l'extérieur aussi. La petite chaise qui fait bien. Cette torche-là, je pense que je vais l'enlever en vrai. Je mettrai plus un lampadaire. Pas un lampadaire, pardon, une lanterne. On va aller voir ça. Dégager les mobs. J'ai presque plus de balles de mousquet, il va falloir que je pense à en racheter. Est-ce que j'ai des chandeliers? Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, chandelier. Normalement, j'en ai au moins un. Je reste à savoir il est où. Chandelier en argent, parfait. On va utiliser ça. Pour la maison. Tant qu'à être ici, je vais me faire un seau d'eau. Parce que ça, je pense pas en avoir. Seau vide, voilà. Qu'on va utiliser pour faire un aquarium, vous allez voir. Donc là, attendez, j'ai des blocs de sable. On va aller en faire du verre pendant que je suis à la ville. Du verre. 8, ça devrait suffire. Sinon, j'ai un désert à côté, donc ça va bien aller pour en récolter. Voilà. Donc désolé, je fais mes courses en même temps de faire la maison. J'aurais peut-être dû les faire avant, mais c'est pas très très grave. J'aime beaucoup, hein. C'est une maison qui est un peu grande en hauteur. Ça fait peut-être un petit peu trop haut, mais je pense pas que ça va être trop dérangeant non plus. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, ça va être ici. On va mettre un... bon, déjà toi tu vas mourir. Hein. Et mon... Dommage. Le tailleur est mort. Tant pis, bon, il y a sûrement un autre PNJ qui va venir s'installer, ce sera pas très grave. De toute façon... Ah tiens, j'ai un cran de mécanique. Ok. De toute façon... Ah, il m'en manque un, tu sais. Attendez. Je vais faire un peu moins grand. Petit aquarium, comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà, on va juste mettre de l'eau. Donc j'ai juste besoin de 4 blocs d'eau, ça va être pas trop long à avoir. On en prend un. On ouvre la porte. Je vais même y aller avec 3 blocs d'eau, je pense. 3.
Ouais, voilà. Un petit aquarium, mais avec dans l'aquarium, on va mettre un corail. Jusqu'à ce que j'en ai un beau. J'aimerais ça avoir le vert. Voilà. Et un seashell. Comme ça. Donc ça fait assez beau. Bon, c'est pas des... Oh, il a fait une tuile. C'est pas des, des poissons, certes, mais les poissons, ça va être un peu compliqué à mettre dans cet aquarium. Voilà. On va mettre en même temps... Oups. Là, j'ai dû enlever des murs de... Ouais, évidemment. Quand je me bosse, enlève des murs. Les mobs, vous me gavez. Les mobs, vous êtes vraiment relous. Voilà. Bon, je suis désolé pour ces bruits, mais les mobs me gavent un petit peu. Ici, on va mettre... Trop comme ça, je vais mettre un autre corail. Starfish. Et avec une seashell. Comme ça. Oh, t'as beau cette seashell. J'aime beaucoup. J'en mets un petit peu ici aussi parce que voilà, c'est des pêcheurs. Starfish. Est-ce que je peux en avoir des différentes, des starfish? Est-ce que ça existe? Oui. Nickel. Et je vais chercher aussi des livres. Parce que ça reste que le tailleur avait un lien avec le donjon. Donc si je peux lui mettre une bibliothèque, ça serait parfait. La bibliothèque, je la mettrais par exemple au rez-de-chaussée. Ah, le jour vient de se lever, bonne nouvelle. Des livres. Est-ce que j'en ai? Je crois en avoir pris, hein. Peut-être pas. Bon, si j'en ai pas, ça sera pas trop grave, hein. Non, j'ai pas de l'air d'en avoir, à moins que je les aie vus et que j'aie passé par-dessus. Tant pis, pas de livres. Ou du moins, je n'en vois pas, donc c'est pas grave. J'en mettrai un jour, je ferai une bibliothèque un jour ou l'autre. Voir un piano, mais pas tout de suite. Écoutez, on fera ça. On fera ça plus tard. Voilà. En attendant, il manque juste... Déjà, je vais juste vérifier si quelqu'un peut venir s'installer. Donc déjà, le petit... Ce logement ne convient pas. Très bien, ça c'est ce que j'avais peur. Que ce soit trop petit. Donc on va agrandir ça. Il manque juste un de... À moins que ça dérange. J'en lis les poutres qu'il y a ici. Ouais non, ça va complètement bloquer. On va voir si c'est les poutres qui bloquaient. Ce qui est pas impossible non plus. Donc si c'est ça, tant mieux. Sinon, il va falloir trouver un autre moyen. On remet l'établi pour juste faire un peu le mur de fond. Voilà, merci. Et est-ce que maintenant ce logement convient? Oui, parfait. C'est bon, c'est les poutres qui bloquaient, donc c'est très bien. Pas de poutres, c'est pas non plus dérangeant. Je trouve ça moins beau, personnellement. Mais je préfère une maison un petit peu moins esthétique. Mais qui fonctionne, voilà, à une maison qui ne fonctionne pas. Donc ici, on va mettre déjà la chaise, donc je vais mettre la chaise ici. Avec l'établi qui est où, qui est là. Ah, j'en ai deux des établis, oups. L'établi, je vais mettre un dernier petit coquillage sur l'établi. Hop, Justice Scott, c'est qui? Oh, monsieur le guide, nickel, monsieur le guide, on va pouvoir continuer. Par contre, j'aimerais ça avoir un autre coquillage que celui-là. Celui-là, il est beau, nickel. On va pouvoir continuer les quêtes. Prochain épisode, ça va être parfait. J'avais été chercher le chandelier pour le mettre ici. Parce que je trouve que ça va être beau. Voilà. En bas, pour l'instant, il n'y a rien. On va mettre des coffres. Éventuellement, pour le poisson, on verra un peu comment je peux décorer ça. Et ici, on a notre petite chaise. Je vais faire une dernière petite chaise. Pour ici, tout simplement. Hop, juste ici. Comme ça, pour pouvoir pêcher. Donc, c'est des chaises... Où on pêche, on se place, voilà, et on tire notre ligne et on relaxe en regardant le paysage qui est assez beau. Vous voyez, il y a des beaux arbres en arrière, c'est nickel. On va laisser ça comme ça, je vais juste enlever cette barrière parce qu'elle m'énerve. Je la trouvais pas très esthétique. Hop, on garde ça comme ça, j'aime bien cette maison, vous voyez, ça manque peut-être un petit peu de lumière dans l'escalier, mais vous voyez, hop, hop. Et hop, voilà, on vient de rajouter la lumière qui manquait. C'est parfait, il va rajouter un lit, il va manquer un lit ici. Je vais aller faire un petit tour rapide, juste voir si je peux faire un lit, simplement. Si je peux, ça va être parfait.
Et sinon, ça ne sera pas trop grave. Je sais même pas si j'ai déjà fait. Oh non, je pourrais pas faire de lit. Est-ce que j'ai de la soie? C'est sûr que j'ai des toiles d'araignée. Ouais. Ok, allez, on va se faire un lit. Pour ça, il me faut placer ça ici. On se fait métier à tisser. Très bien, qu'on place là. Et on se fait de la soie. J'en fais 10, je sais pas combien il m'en fallait. Oh, un sofa. Il m'en fallait 5, je vais pouvoir faire 2 lits. Un pour moi et un pour le petit garçon. C'est parfait. Parce que un petit garçon, pas de lit, c'est triste. Hein? Le tailleur, voilà, on peut dire que... Je pourrais même mettre un lit en bas, en fait. Hop. Très bien, le lit ici. On va mettre Clive, c'est qui? C'est le tailleur? Le tailleur qui reconnaît sa maison. Waouh, par contre, c'est pas ta chambre. Ça, c'est la chambre du petit garçon. Et ça, c'est la chambre du tailleur. Très bien. Clive qui est là. Super, il est déjà revenu. Il reconnaît sa maison. J'aime bien. On met un lit en bas. Parce que je trouve ça bien d'avoir un lit en bas. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça stylé. On va mettre une petite table ici avec une lampe sur la table. Du coup, cette lampe, on peut l'enlever. Et on aura maintenant. Est-ce que quelqu'un peut venir s'installer ici? Et quelqu'un peut venir s'installer ici. Ça va être une troisième maison. Du coup, je veux pas faire ça. On va enlever tout ça, je vais juste laisser des coffres. Et le lit, je vais le garder pour moi parce que je n'ai même pas de lit. Le croirez-vous, ce gobelin dort nulle part, ne dort pas. Garrok ne dort pas, c'est un gobelin surpuissant. Il n'a pas besoin de dormir, voilà. Voilà, voilà. Allez, je vais aller mettre ça. Ici. J'ai zéro place pour mettre un lit, très bien. Très très bien, on va le garder dans mon inventaire. Et voilà, donc... J'espère que cette maison vous plaît. On va retourner voir la maison. Un dernier petit coup d'œil. On va saluer cela. Wow, cet épisode aurait été super long par contre. C'est quasiment une bonne chose que j'avais pas pu. Ben, que mon tournage du pont ait crash. Parce que voilà, c'était long hein, quand même. On est rendu à. On doit atteindre quasiment 40 minutes. C'est pas très grave. J'espère que cette maison vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, ici. Le sous-sol, vous préférez avec de la pierre ou du bois. De la pierre, ça pourrait faire beau aussi pour faire changement de couleur. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez vraiment. Je risque de mettre une bibliothèque en bas. Une ou deux bibliothèques avec des petits livres. Donc, ça va rajouter du vert. Vert qui est une très belle couleur. Qui va bien avec le bois. Donc, juste voir si je peux rajouter un petit corail vert ici. Ah, je l'avais. Oh, je peux pas, tu sais. Pourquoi je peux pas? C'est combien de haut des corails? Est-ce que le corail ferait 3 de haut par hasard? Ce qui est pas impossible, mais c'est un peu triste. On va vérifier ça tout de suite. Non, le corail fait juste 2 de haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis dans l'incompréhension. Peut-être qu'on peut juste pas en mettre sur des tables. C'est pas impossible non plus. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Chardin. Wow, zop. T'es qui toi? Oh oh, monsieur Witch Doctor. Monsieur le Witch Doctor. Voyons, on a combien de maisons, non? C'est vrai qu'on vient de débloquer 2 maisons, donc ça aide. Monsieur le Witch Doctor qui vient d'arriver, on veut juste aller le placer dans sa maison. Parce que depuis l'épisode 1, on l'attendait, hein, voilà. On va pouvoir lui présenter sa nouvelle demeure, il va nous dire ce qu'il en pense. Hop, juste ici. Allez, bon, désolé, toi. Je dois t'expulser, mais ne m'en veux pas trop. Et Zopa. Zopa, monsieur le Witch Doctor, qui va venir intégrer sa nouvelle maison. À l'instant, donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois, n'hésitez pas à laisser un j'aime si la maison vous plaît, si vous aimez le design, me dire ce que vous en pensez toujours dans les commentaires, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours, et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Chardin, allez, au revoir tout le monde!